c'est quand on veut, hein. Okay. Bon, et ces micros. 1, 2, 3, Festina, 1, 2, 3, Festina, 1, 2, 3, montre Festina. C'est prêt? Bonsoir, je voulais vous dire que le match de ce soir... Et voilà, le derby du Nord, donc c'est forcément deux équipes, mais c'est aussi un seul journal. Pourquoi? Parce que à Lille comme à Lens, eh ben, on lit le même journal, c'est la Voix du Nord. Alors cette affiche, nous, elle nous plaît tellement, on en rêvait depuis si longtemps que eh ben, finalement, on l'aurait bien mis en page de spectacle. C'est un match particulier pour les joueurs, mais je crois que c'est surtout un match particulier pour les supporters. Nous, on veut gagner et montrer qu'on est les meilleurs dans le Nord. On sent qu'il y a une atmosphère, j'allais dire, entre parenthèses, délirante, quoi. Reconnaît-on un supporter lensois dans la rue? C'est ce qui se dit à Lille. Hein. Un supporter lensois, c'est un gros nez rouge et les dents jaunes. Ils ont toujours dit que nous, on était une équipe de bourgeois, une équipe de riches. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça, que toute la ville de Lille attendait ça, même de Lens sûrement. Quand on est en équipe de jeunes et qu'on rencontre Lille, on veut toujours gagner ce match-là à tout prix, puisque c'est toujours cette rivalité qui entre en jeu. L'ouverture du score, Patrick Colo. Il y a une possibilité peut-être, Renaud. Là, il y avait Bekenovic. Et une reprise, le doublé. Le doublé pour Patrick Colo. On sait que Lens aujourd'hui est un grand club européen. Nous, encore, on est encore un club qui joue le maintien. On n'a pas du tout les mêmes ambitions, mais c'est une question d'honneur. Deux pas d'élan, oh magnifique! Quelle lucarne, quel bouffon! C'est un engouement fantastique, là, on n'a même pas de place pour pouvoir y aller, la ruine. C'est vrai que quand j'étais à Lens, j'aimais pas beaucoup les Lillois, et maintenant que je suis à Lille, j'aime plus beaucoup les Lensois. Bon. Je sais pas qui a la pression, je crois qu'il y a deux équipes qui vont avoir envie de faire un bon match. On y va! On répond présent dans les duels! Derby, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, derby. L'Esprit du Nord, Antoine Robin et sa Gazette nous plongent d'entrée au cœur de cette soirée. Après plus de 3 ans d'attente, le derby des ch'tis est enfin de retour. Bonsoir à tous, Lille reçoit Lens pour le dernier match de cette 9e journée. Olivier, vous connaissez l'enjeu sociologique, géographique et bien sûr sportif de cette rencontre, mais franchement, un Lille-Lens, est-ce que c'est un derby comme les autres? Non, c'est pas comme les autres, en effet. Il y a tout d'abord la distance, 35 km entre les deux villes, la fidélité des joueurs à leur club, Boutoile du côté lillois, Sicora à Lens, et surtout l'engagement de toute une région et l'engouement de cette région pour les deux grands clubs du Nord. Et regardez l'engouement des joueurs déjà avant cette rencontre. Blanchard qui parle assez lensois, on verra aussi tout à l'heure Boutoual qui parle assez lillois. On va vite s'y plonger justement dans l'esprit si particulier de ce derby. Comment dans chaque camp du côté de Guillaume Barmuse ou des Lillois a-t-on vécu les dernières 24 heures? La réponse avec la séquence désormais mythique de Vincent Alix. Ça va, demain 3. Le plus lillois de tous les Lensois, Antoine Siberski, le premier à rejoindre le stade Bollaert, baigné de soleil hier après-midi. C'est le dernier entraînement, au calme, à l'abri des regards. Toute la semaine, Roland Courbis a voulu préserver ses joueurs de l'effervescence médiatique générée par le derby. Dès son arrivée, d'ailleurs, on lui avait très vite fait sentir où était la priorité. Et quand, par exemple, en plaisantant, on dit à quelqu'un, bon, si on perd à Lille et qu'on gagne les 3 matchs d'après, c'est bien, non? Non, non, pas du tout. Les 3 matchs d'après, on s'en fout, il faut gagner à Lille. Je trouve un peu exagéré. Finalement, il n'y a pas que dans la région du Sud qu'on exagère. 40 km plus loin, à Lille, voici le plus lensois des Lillois, Bruno Chéroux, né à Paris, mais formé chez les 100 et or. Bruno, c'est la dernière ligne droite, là. Ouais. Hein?
Il est sérieux l'entraînement là, bah, le coach a l'habitude de dire que le dernier entraînement est un peu à la mesure du match du lendemain, donc il aura l'occasion de juger. Et tout le monde peut juger. Vahid Halilhodžić, au dernier moment, a décidé d'ouvrir l'entraînement au public, plutôt confiant. De toute façon, on ne va pas perdre. J'ai un maillot porte-bonheur. Chaque fois que je le mets, jamais l'équipe elle perd. Donc, 2-0 pour le LOSC. Voilà le pronostic. La séance a duré un peu plus d'une heure, tout en vivacité, tout en rythme. Le temps dans les vestiaires de jeter un coup d'œil sur la télé et voir Marseille s'imposer à Auxerre, le groupe embarque dans une navette qui le mène 2 kilomètres plus loin dans un hôtel situé en face du stade. C'est ici que le LOSC prépare ses grands rendez-vous à domicile, une dernière nuit pour s'imprégner sereinement de l'esprit du Derby du Nord. À demain. Bonne soirée. Dormez bien. Vous aussi surtout. On va dormir. Ils ont dû passer.